Du côté d'Njamena, concernant eh bien, le Maghreb, à Casablanca, il fera 28 degrés et à Tunis, 31 degrés, où il peut y avoir un risque d'averse. Ce sera bien plus sec et toujours chaud sur la péninsule arabique. Du soleil également sur Téhéran avec 37 degrés, 32 degrés du côté de Kaboul. On va retrouver des pluies importantes sur New Delhi et ce jusqu'à Bangkok avec 34 degrés. Pour l'Indonésie, ce sera bien plus sec pour Jakarta. Du soleil à prévoir sur Sydney avec des conditions anticycloniques, alors que sur le sud du pays, on va retrouver une perturbation et de la pluie entre Melbourne et Canberra. Du côté de Nouméa, ce sera un temps ensoleillé et un petit peu plus frais que de saison. Du soleil aussi à prévoir sur Séoul, alors que sur le nord de la Corée, il peut y avoir une perturbation et des averses à noter sur Shanghai. Nos prévisions sont terminées. On se quitte sur notre actualité du jour qui concerne l'état du Michigan aux États-Unis, où une perturbation a causé d'importantes inondations. Voilà donc pour nos prévisions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur TV5 Monde.